Gando Piquet, la légende, la mascotte des Lions Orientales du Cameroun. Je suis sur la route de Yamoussoukro. Nous venons d'atterrir à Foumbane. Nous partons maintenant pour Bagno. Bagno, ensuite frontière, Lagos. Gembo, Lagos. Gembo, Lagos. Pardon? Attends. Mais attends, je dis, hein. Comment il prend de telles décisions, vous? Il est quitté quand? Il est quitté quand? C'est-à-dire, voilà comment est-ce que quand quelqu'un vit, vous ne savez pas lui venir en aide. Quand quelqu'un vit, il soumet son problème, vous ne l'aidez pas. Mais demain, quand il meurt ou quelque chose lui arrive, vous allez faire des vidéos, vous allez faire des quêtes, vous allez monter, descendre. Sachez quand quelqu'un est mort, il est mort. Un monsieur âgé prend un tel risque, vous le laissez par rapport à quoi? Il a-t-il bêtise la route? Il est obligé d'aller à la canne. Il est obligé d'aller à la canne. Je suis d'accord. Attends. Je suis très d'accord. Qu'à une certaine époque, il a dû prendre la route pour entrer au Nigeria. Mais les choses ne sont plus pareilles. Oh. Les temps ne sont pas pareils. Oh. Non seulement, il a l'âge qui a avancé. Oui. Qu'il avait envoyé. Attends, je dis, donc, s'il avait un problème. Donc, avec tout ce qui s'est passé à la Coupe du Monde, là, le fait qu'il ait déballé tout, c'est ça qui lui a porté préjudice, hein, qu'on ne puisse pas le prendre en compte pour la Côte d'Ivoire. Mais il va en Côte d'Ivoire faire quoi? Quel amour! Donc, tu vas avoir de l'amour pour les Lions et Orientales jusqu'à prendre des courir des gros risques comme ça. Hein? Ça, c'est la magie, ça. Attends. Regarde, attends, je vais essayer de l'appeler lui-même pour savoir à quel niveau. Oui, attends, j'appelle Ngando. Attends, j'appelle Ngando lui-même. Attends, j'appelle Ngando. Ngando Abuanjo. Ngando Abuanjo. Allô? Et Potter? Oui, comme tu avais Gando? Passe-moi Gando. Piquet, Gando. Pardon, dis au chauffeur là de tourner la voiture, tu rentres. Demande au chauffeur, demande au gars là, vous êtes à quel niveau? Vous avez dépassé Foumbane? Gando, est-ce que tu pèses ce que tu fais là? Est-ce que tu penses ce que tu as dit de faire là, Ngando? Tu prends la route comment? Ngando, tu es obligé d'aller en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que tu as dû faire ce que tu as dû faire là. Avec tout ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Hein? Et que tu es venu ici dénoncer. Tu es obligé de parler, Ngando. Si on ne t'a pas nourri à la Coupe du Monde, tu viens parler sur Facebook par rapport à quoi? Jusqu'à passer à la télé. Regarde ce qu'on t'a fait maintenant. Ngando, apprends à te taire. Tu pouvais voir, avec tous les risques là, il fallait qu'on te motive avec tes enfants. Hein. Voilà, continue à parler. Il faut continuer à parler. Voilà le prix à payer. Avec tous nos structures qui sont en train de faire partie les gens en Côte d'Ivoire, te voilà toi, depuis combien d'années? Tu as sacrifié ta vie pour les lions. Personne ne t'a prêté attention. Oui. Regarde tout ce qu'on a donné d'entraîner en Côte d'Ivoire. Toi, personne n'a eu ton temps. À cause de ta bouche. Tu parles trop. Normalement, tu dois faire la même réunion que le père de Tchouko. Oui, parce que lui aussi, il a parlé. Et, oui. Normalement, où tu ne dois pas arriver, rentre ici. Crée une réunion parler avec le père de Tchouko. Oui. Avec Abdourahmane. Là, vous créez votre réunion.
Vous parlez trop. Vous savez pas, c'est pas tout ce qu'on parle. C'est pas tout ce qu'on vit qu'on parle. Hein? Ici, tu ne... il faut apprendre à fermer ta bouche. Regarde, regarde. Viens, nous on peut cotiser. Je veux voir, je veux voir. Je peux faire une réunion avec Star News. Tu vois Star News, non? Oui, je vois le PDG de Star News. On va faire une quête. On va te payer le billet d'avion. Tu pourras aller Djigba. Paye même où tu dois loger. Dans le coup de courroux de tes risques, pardon. Rentre. Ouais, Ngando, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. À quelle frontière? Ouais, regarde. Ngando, regarde, papa. Regarde, viens. On peut faire une vidéo Facebook. On demande un SMS. SOS. Tu comprends, non? Les gens vont cotiser, Ngando. Pourquoi tu ne peux pas dire que ton intention, que personne ne sait. Pourquoi tu ne peux pas dire que tu vas aller à la Côte d'Ivoire? Tu vas aller en Côte d'Ivoire. Que mon objet, quoi? Tu ne sais pas que j'ai des relations, Ngando? Attends, tu ne sais pas que j'ai des relations? Et qu'un ou deux coups de fil, ça pouvait faire quelque chose? J'appelais même mon petit Steven, Bienoura. Je ne faisais pas de la station, non, la situation, non, Gado. Je parle de Wallis Vector. Tu as pas tué là-bas, à quelle agence? Non, est-ce qu'il vient à l'agence? Non, on est là à Yaoundé. Oh, Gado, tu as fait fort. Attends, tu as comme les bobolons pour chocolat route avec. Gado. Hello. Tu pars comme ça, si tu arrives, tu ne sais pas arriver quand. Tu es sûr que tu vas arriver avant le premier match? Ouais. Tu n'as même pas pris en considération tous les petites maladies qui te dérangent. Mais tu as quand même pu prendre le risque. Tous. Oh, oui, Gando. Ouais. Allô? Tu entends? Tu as la frontière? Tu me raccroches? Papa, bonne chance, oh! Bonne chance, oh, Gando! Gando, bonne chance! Allô? Gando, tu crois que j'ai des risques? C'est l'alliance de ton travail de quoi, Gando? Tu crois que j'ai des risques? Si quelque chose t'arrive là-bas, Gando, on ne t'a pas payé le billet d'avion, on ne t'a pas payé en considération. Gando, laisse-nous! Toi aussi, tu es rentré de la cour, tu m'as commencé à parler. Papa. Oh, ne m'a pas nourri, je n'avais pas où dormir. Mais à cause de la bouche là-bas, tu ne dois pas même te déranger, Gando. Donc, tu te déranges.